L'avarice, c'est un peu comme garder toutes les frites pour toi quand tout le monde a faim. Et soyons honnêtes, tu n'as même plus faim, mais tu continues de garder ton assiette bien serrée. Dans la vie, c'est ça, l'avarice. Tu accumules des choses, de l'argent, des biens, mais tu refuses de partager. Et à la fin, tu te retrouves sans amis parce que personne n'aime dîner avec quelqu'un qui oublie son portefeuille à chaque fois. Maintenant, dans la Torah, l'avarice est plus sérieux. Ce n'est pas juste que tu refuses de prêter un crayon, c'est que tu fermes ton cœur. Et là, ça devient spirituellement dangereux. Premièrement, la Torah dit qu'il ne faut pas s'attacher aux richesses comme si elles allaient te sauver. Dieu te rappelle que tout ce que tu as vient de lui. Donc non, ton compte en banque ne te rend pas plus spirituellement puissant que les autres. Ensuite, il y a la tzedaka. Alors là, c'est non négociable. Il faut partager. Accumuler, c'est bien, mais si tu ne donnes rien, tu rates le sens de la richesse. Un peu comme avoir une voiture de sport, mais ne jamais la sortir du garage. C'est quoi l'intérêt? Enfin, la Torah te conseille la modération et la gratitude. Profite de ce que tu as, mais souviens-toi que la vraie richesse est de partager. Si tu veux vraiment être riche, sois généreux, parce qu'en fin de compte, c'est ça la vraie richesse.